plus adéquat. Construit depuis 1991, le collège de Matoto est composé de 12 salles pour un effectif de 1175 élèves, dont 585 filles. Actuellement, les affaires courantes sont gérées sous les arbres depuis qu'un incendie a ravagé l'administration. Le samedi dernier, le responsable du collège en parle. L'incendie qui est arrivé dans notre école est survenu vendredi nuit à 0h33. Au juste, comment ce dégât-là est intervenu? C'est parti d'un coup de circuit. Ici, il n'y a presque plus rien. Pas de table-banc adéquat, pas de latrine, pas d'eau. Les salles de classe n'ont jamais été plafonnées. Les tôles sont percées partout. Malgré cela, certains enseignants continuent à y donner cours. À cause de ce vétusté, 250 élèves ont décidé de transférer pour d'autres établissements. Dès que cela s'est déclaré, honnêtement, on a reçu plus de 250 élèves qui ont émergé dans le risque de transfert de départ. Mais moi, au fond de moi-même, j'étais frustré. Mais seulement j'ai gardé, n'est-ce pas, mon sang-froid et le courage pour continuer, n'est-ce pas, à gérer. En situation de classe, cet enseignant souhaite un endroit plus adéquat pour transférer son savoir. Qu'est-ce qui est demandé? Enseigner, il faut d'abord que les enfants trouvent un local décent, approprié. Cet élève candidat au BEPC demande de l'aide au département de tutelle pour la reconstruction de cet établissement pour un meilleur apprentissage. D'aide. Notre école est dans un sale état. Notre école a vraiment besoin d'aide. Donc nous voulons demander de l'aide à l'autorité et au gouvernement de nous aider. Si l'école est un lieu d'apprentissage, d'échange, d'éducation, le collège de Matoto ne répond à aucun critère. Les élèves et enseignants souhaitent de meilleures conditions de vie et de travail.